Tout compte fait, passer en hyperespace depuis l'intérieur du vaisseau n'était pas très malin. Il va falloir résoudre la situation ici. Va voir la baie d'entretien avant. J'accuse une perte de puissance étrange de ce côté. Vous voulez tout savoir sur ces raptards, hein? L'avantage quand on chasse les raptards, c'est qu'on découvre quels membres de votre équipage sont doués pour leur travail. Dommage que ça n'a pas été le cas pour presque aucun d'entre eux. Oh, des Mynocs! Bon, problème réglé. Qu'est-ce que c'était? Un câble débranché? Pas exactement. L'hyperdrive a pris un coup pendant le passage en vitesse lumière. Tu peux la réaligner? Il y a des pièces détachées dans les caisses. Pas étonnant que cette épave tombe en morceaux. Vite, tu peux réaligner et reconnecter l'hyperdrive? C'est tout bon. Beau boulot. Le navire ordinateur devrait être opérationnel. Tu peux t'en assurer? Comme ça, vous êtes recherché. Le premier ordre veut la carte de BB-8. Finn est dans la résistance. Moi, je ne suis qu'une pieuse d'épave. Voyons ce que t'as. C'est un fragment, il en manque. Elle n'est pas complète. Du jour où Luke a disparu, tout le monde s'est mis à sa recherche. Pourquoi il est parti? Il commençait à former une nouvelle génération de Jedi. Un jour, un jeune apprenti s'est rebellé contre lui et a tout détruit. Les Jedi sont pas une légende? La Force, les Jedi.
Absolument tout. Tout est vrai. C'est notre destination. C'est sans doute la planète la plus verte de toute la galaxie. Chewie, inspecte le Faucon le mieux que tu pourras. Vous voulez envoyer BB-8 à la Résistance ? Mas Kanata est notre meilleure option. Tu pourrais en avoir besoin. Solo, pourquoi on est là déjà ? Pour trouver un transport fiable à votre droïde. Fiable ? Tu crois que c'est par chance qu'on a retrouvé le Faucon, Chewie et moi ? Si on a pu le repérer sur notre radar, le premier ordre ne doit pas être loin. On peut lui faire confiance, hein ? T'inquiète pas. Elle dirige ce point de ravitaillement depuis plus de 1000 ans. On dirait qu'un gros alien barre la porte. Votre ami, le réveille ? Fais-toi plaisir. Quoique, tu tiens vraiment à tes bras. Waouh, il dort profondément. Rien de tel qu'un jet d'eau en pleine face pour se réveiller. Je
vraiment pas du matin, celui-là. Maz est connu pour avoir cette tête. Alors laissez-moi lui parler. Le plus important, évitez de regarder. Quoi? Évitez. Han Solo. Oh, misère. Salut, Maz. T'es encore dans le besoin, j'imagine. Comme d'habitude. Maz, j'aimerais que tu transmettes ce droïde à Leia. Non. Il y a beaucoup trop longtemps que tu as déserté la lutte. Vous parlez de quelle lutte ? Contre le côté obscur. À travers les âges, j'ai vu le mal prendre de nombreuses formes. Les Sith, l'Empire. Aujourd'hui, c'est le Premier Ordre. Il n'y a pas de combat contre le Premier Ordre, où il est perdu d'avance. Il faut tous nous enfuir. Tu vois ces deux-là ? Moyennant travail, ils te transporteront à la bordure. Et là, tu pourras disparaître. Je suis pas dans la résistance. Je suis pas un héros. Finn. Deixando-te, bafamé, pilota nos pregando-te. D'accord, je veux bien vous suivre. Thank you.
plus de café tant que les réparations ne sont pas arrivées. Ça devrait prendre des minutes, des heures, des années, mais... Cela dit, ça semble plus probable. J'ai besoin, c'est d'une machine à café intelligente. Déjà que le vide ordure fait preuve d'insolence. Quand on les ignore suffisamment longtemps. Venez passer commande, tout le monde. Oh, je suis pas à une minute près. Qui est cette fille? Je ne sais vraiment pas où je vais. Ni pourquoi. C'est juste un vieux droïde. On ne risque rien. Qu'ils ont l'air menaçants, cela dit.
que tu peux ouvrir cette porte? D'autres vieux droïdes. Pas question de faire demi-tour. Droïde à réparer détecté. Oh, tout compte fait, je changerai bien d'avis. Cessez de résister. Je veux seulement vous aider. Sentirez mieux après. Je crois qu'on doit passer par là. Tu sais comment l'ouvrir ? Qu'est-ce que ça fait, à ton avis ? Ce symbole là-haut, il est faux. J'ai trouvé un rouage. Ça correspond bien.
Ça devrait être bon, BB-8. C'est ça. C'est le symbole. On touche au but, quel qu'il soit. On est vraiment bien chez soi. Disons un quart de portion. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sabre laser appartenait à Luke. Et avant lui, à son père. Et maintenant, Ray, il t'a choisi à ton tour. Il faut que je reparte sur Jakku. Ma chère enfant... Je le vois dans tes yeux. Ce qui te manque tant n'est pas derrière toi. Il est à venir. Le sabre. Prends-le. Jamais plus je n'y toucherai. Je n'ai rien à voir avec ça. Cette journée verra la fin de la République. Cette fantastique machine que nous avons conçue, aboutissement de brillantes recherches, va nous permettre d'anéantir le Sénat galactique. Tous les autres systèmes se soumettront au premier ordre.